Salut les copains, alors nouvelle vidéo, nouvelle journée, nous sommes toujours à Guadix. Le panier de la montgolfière il est petit, c'est pas les montgolfières qu'on avait à Gorem en Turquie, c'est pas dans le même modèle. Si vous voulez voir la visite de Guadix, c'est sur la précédente vidéo. Et ça y est, elle se lève. Allez, c'est parti, on prend de la hauteur. Ça nous rappelle un magnifique souvenir de Cappadoce. Si vous allez en Turquie, n'hésitez pas d'aller voir les montgolfières là-bas, c'est magnifique. On a fait les courses à Lidl et on reprend la route direction Grenade. Magnifique Unimog. Alors pour le prix d'un, vous en avez deux. Avec ça, on est tranquille, ça passe partout. Avec le petit escalier qui va très bien. Et voilà, pour le prix d'un, on en a deux. Il est sympa aussi celui-là. Avec ça, ouais, elle disait, on est tranquille, ça grimpe aux arbres. Les Allemands sont très friands de ce genre de véhicule. Bon, entre les deux, quand même une préférence pour celui-là, le blanc. Magnifique. Alors, tout là-bas, c'est le terrain mis à disposition pour les camping-cars par la petite commune de Marchal. C'est incroyable ce que font les petites communes. Pour l'accueil des camping-cars. C'est vraiment sympa. Merci à la municipalité. Bravo. Ouais, ces maisons troglodytes sont beaucoup, beaucoup plus jolies qu'à Guadix. Il n'y a pas photo. Franchement, c'est un beau, beau village. Voilà, voilà. Attention, tu vas... C'est tout petit. Ouais, on peut voir les cheminées qui sortent des maisons. Une ici, l'autre là-bas. Et là, eh ben, c'est du domaine du cul-de-sac. C'est la fin, c'est le bout du bout. Ça nous fait penser un petit peu au Malos Riglos qu'on avait fait dans le nord de l'Espagne. Mais les collines sont quand même plus rouges. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Qui fait là? Il nous offre quoi? Bon, en attendant, il fait beau. Oui, le matin dans les terres, c'est frais parce qu'on a 800-900 mètres d'altitude. Mais dans la journée, pas de soucis. Et bonne mine, hein, il est pas fatigué, hein? Attention, attention, il y a une grenade. Et quand je dis qu'il fait beau, c'est qu'il fait vraiment beau. Et Sergio, il est en short. Eh ouais. Ouais. Sympa avec le petit clocher là. De retour à Marchal. Cri-cri photographe toujours sur le coup. Splendide. Ouais, on va pas pouvoir y aller. Le portail est fermé. Alors, le nom du village, Marchal. Avec cette jolie fresque sur le mur.
Pas. Des jolies marches avec des jolies phrases, mais on va pas vous dire ce qu'ils disent. No parla espagnol. Être partout. Ah oui, à tous les problèmes, on a une solution. Ah, oui. C'est bien. Ouais. Déchiffrer déjà. Alors, quipropo, respecte. Le soleil donne sur les maisons troglodytes. Magnifique. Ah ouais, c'est chaud, ouais. On ne s'en lasse pas. Là, c'est vraiment un beau village. Regarde, là, dans le fond, là-bas, la petite maison, là, vraiment. Ouais, on peut voir en bas, il y a eu un éboulement. Ils ont construit le muret là-bas, là, pour arrêter la roche. Mais il y a eu quand même un bel éboulement. Ah ouais, magnifique! Le maire et son adjoint avaient dit qu'ils auraient éclairé les rochers. Eh bien, la parole est tenue. Merci, la commune. On en prend plein les yeux. Coucou les copains, nous sommes toujours à Marchal. Et normalement, on reprend la route aujourd'hui, direction Grenade. Et derrière moi, là, les deux camping-cars, les voyageurs, ce sont des gens qu'on a rencontrés, très très sympas. On fait toujours des belles rencontres sur la route. Alors, coucou les copains, présentation des amis. Joël. Joël. Betty. Et Betty. Et qui s'en va? Coucou. Ben voilà. Le beau voyageur Platinium. Bonjour. 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 L'épouse de l'homme invisible, Georges, qui ne veut pas se montrer. Alors, elle se prénomme Daniel. Daniel. Et voilà. Super rencontre. Super rencontre. Très, très jolie route. On a quitté notre spot et nos amis. Très belle rencontre. Et l'aventure continue pour nous. On espère les revoir un jour sur un spot. Alors, nous sommes arrivés à la Pesa. Avec des aménagements, des tables sur l'aire de camping-car. On est sur les hauteurs et on voit le village en bas. Ouais, du coup, la visite de la Pesa, il n'y a pas grand chose à voir. Ah bah attends, on n'est pas monté encore tout là-haut. Ouais, mais je pense que ça va être du vite fait. Et on va peut-être finir par aller à Grenade parce que depuis le temps qu'on le dit, on n'est toujours pas arrivé. Allez, on continue. Bon, eh ben on n'est toujours pas arrivé, on est encore arrêté. Oh là 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 là, quand est-ce qu'on va voir Grenade? Ben je ne sais pas. Pour tout de suite. Alors voilà le barrage. Avec ce magnifique plan d'eau, couleur verte. Et bleu plus loin, c'est très très beau. A priori, c'est le barrage de Amblas de Kentar. C'est tellement beau que ça se passe de commentaires. Ah là là, ça y est, enfin arrivé à Grenade. Depuis 3 jours, on traîne des pieds partout. Mais ça y est, alors du coup, suivez-nous, on vous fait découvrir la ville. Alors, pour accéder à l'Alhambra, n'oubliez pas vos pièces d'identité, carte d'identité ou passeport. Très très important, sinon vous restez dehors. Il y a du boulot hein, à tailler ça.
sommes le jeudi 1er février. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même du monde. Magnifique escalier. C'est la Puerta del Vino. Si je traduis bien en français, c'est la porte du vin. Et tout là-bas, on peut apercevoir la muraille. Ce bâtiment, c'est l'Alcazaba. Voilà le nom. Beaucoup de choses à voir à l'Alhambra. Franchement, on n'est pas déçu pour le moment. Et la visite continue. C'est la Torre de las Armas. Avec ce beau ciel bleu, on est bien. Franchement, c'est une très belle visite. Avec ce magnifique soleil, cri-cri photographe sur le coup, tout comme d'habitude. Et n'en loupe pas une. Ouais, je pense que tout là-bas, là, c'est la cathédrale. Je pense qu'on va aller la voir. Alors, pour info, on n'a pas eu de tarif dinosaure. Il faut avoir plus de 65 ans. On est beaucoup trop jeune. De décor, vu sur les monts enneigés. Et c'est vrai que la nuit, là, quand même, il fait pas très chaud. La journée, magnifique, mais la nuit, c'est frais. Ce matin, 2 degrés, je crois. Alors, nous montons à la Torre de la Vela. Faut grimper. Arrivé tout là-haut, de la Torre de la Vela. Et encore une magnifique vue de tout là-haut. Jolie cette fontaine. Alors, on a fait une petite pause déjeuner et on reprend la visite. Allez, direction le Palazzo. Là, franchement, c'est de toute beauté. Il est vraiment très, très beau, ce palais. Ces détails. Ouais, il y a du boulot. C'est vraiment de toute beauté. Les détails. De toute beauté, hein. De toute beauté, ce palais. Ouais.
sais plus où donner de la tête. Splendide! Encore un magnifique plafond. Un plaisir des yeux, les copains. On en prend plein les yeux. Le jardin qu'on a vu d'en haut tout à l'heure. Ouais, magnifique vue sur les jardins. Très belle visite de l'Alhambra. Magnifique. Ouais, sur cette vue des montagnes enneigées, je pense que ça va être la fin de la visite de l'Alhambra. Avec ses jardins magnifiques. Ouais, la cathédrale de Grenade. On s'est encaissé dans les ruelles, du coup, pour filmer, pas évident. Mais elle est balèze. Ruelle. Très belle vue sur les monts enneigés et ce beau panorama. C'est la fin de la vidéo. Alors on fait un petit coucou à nos amis qu'on a rencontrés sur l'aire de Marshall. Ouais, coucou. Et on remercie par la même occasion la municipalité de Marshall de nous accueillir aussi bien. Et ensuite, on a beaucoup aimé la balade qu'on a fait à l'Alhambra. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez. Mettez les pouces. Allez, Kenavo, affaire à suivre. À plus tard. À plus tard.